qui va être projeté donc, ce soir. Donc, le film, à l'origine, était le premier film qui avait été étalonné en numérique. Donc, on avait un peu payé les pots cassés d'une technique qui n'était pas encore complètement au point. Bon, le film était sorti, le film avait plu aux gens, la photo d'Adam Austin était fantastique. Mais là, vous allez vraiment voir le film tel qu'il était sur le négatif original. Parce que ce qu'on a fait, c'est que, comme le film était étalonné en numérique, on n'avait pas touché au négatif original. Et là, pour faire cette copie 4K que vous allez voir, on a ressorti le négatif, on a monté le négatif, donc on n'avait jamais touché, et vous allez voir vraiment les vraies couleurs qu'il y avait sur ce négatif. Vous allez voir surtout des détails qui étaient impossibles de voir dans la copie qui était sortie, notamment par exemple des détails plafonnés, comme les... Il y a deux yeux dedans à la fin. Ouais. On va laisser parler. Comme notamment la couleur des yeux de Monica Bellucci qui change de scène en scène. Des détails qui étaient finalement perdus dans la copie standard qui était sortie au cinéma. Et là, donc, je pense que vous allez redécouvrir le film avec des couleurs qui sont incroyables et un sens du détail qui permet de rendre hommage en fait aux gens avec qui j'ai travaillé. Parce qu'un film comme celui-là, ce n'est pas seulement le film d'un metteur en scène, c'est aussi le film d'une costumière, en l'occurrence, qui s'appelait Dominique Borg. C'est le film d'acteurs comme Vincent, comme Monica, comme Marc, évidemment. Mais c'est le film d'un chef opérateur génial, Dan Austen, qui travaille aujourd'hui encore beaucoup avec Guillermo del Toro. C'est aussi le travail du décorateur, et ainsi de suite. Et puis vous allez revoir plein de gens du cinéma français qui, malheureusement, nous ont quittés entre-temps. Des gens qui pour moi, avec qui j'ai passé des moments inoubliables, que ce soit Jean-Yann, que ce soit Perrin, tous ces gens, Stevenin, tous ces gens magnifiques qui ont fait la grandeur du cinéma français et avec qui j'ai eu l'honneur, en fait, de faire ce film. Voilà, donc c'est un... Merci d'être là, merci pour eux aussi, amusez-vous bien, et puis on se retrouve ensuite pour parler un peu du film et si vous avez des questions. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Merci.